Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'accomplir des quêtes des personnages en lien avec le football. Alors les personnages en lien avec le football, il y en a trois. Il y en a un qui se trouve à Dirty Docks, donc juste ici. Il y a Neymar qui se trouve sur le terrain de foot à Pleasant Park. Et il y en a un autre qui se trouve à Holy Edge. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est aller parler à ces personnages et ensuite leur demander des quêtes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, bien évidemment, il y a plein de monde. J'espère que ça ne va pas trop me gêner pour réaliser ce défi. On verra bien. Mais on va voir les quêtes qu'ils me demandent. Donc là, je parle au personnage. Et là, ils me disent de marquer un but avec le jouet de ballon de foot. Ok ? Ils me disent de toucher des cibles avec le jouet ballon de foot. Et ils me proposent un duel. Donc, on va marquer un but. Ok ? Avec le jouet de foot. Bien entendu, il vous faudra le jouet de foot. Voilà, là, j'ai marqué un but. Donc là, ben évidemment, il va falloir que j'attende. Bon, le personnage est mort. Donc, ils l'ont tué. Donc, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais quitter. Je vais relancer la partie. Alors, pour ne pas me faire ennuyer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une partie que contre des bots. Donc, si vous voulez faire pareil, je mettrai en lien en description et en commentaire épinglé un lien qui vous expliquera comment créer une partie uniquement contre des bots. C'est totalement légit, il n'y a aucun risque de ban. Mais comme ça, ben, je suis pas embêté par d'autres joueurs qui, par exemple, ben, juste avant, ont tué le personnage. Alors maintenant, je vais devoir faire 5 quêtes. Donc, j'en ai déjà accompli une, donc je vais... refaire une autre quête, donc marquer un but avec le jouet de ballon. Ok, donc là je vais remarquer un but. Voilà, je pense que je peux faire 5 fois la même. Non, je peux pas toucher des cibles avec le jouet ballon de foot. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, donc là j'ai pas touché. Voilà, là j'ai touché. Voilà, et ensuite bah, je vais le provoquer en duel. Ça fera que j'aurai fait 4 quêtes. Merde, je sais pas si j'aurai assez de balles. Et en plus, il va me tuer, je crois. Oh là là, il y a l'autre. En plus, voilà, je suis dans la merde. Ouais, voilà, je suis dans la merde. Quand vous faites un duel, prenez au moins suffisamment de balles pour pas vous faire tuer. Mais c'est pas grave, de toute façon, il fallait quand même que je relance la partie pour faire une autre quête avec une autre personne. Alors, je viens de remarquer que le défi, la quête que j'avais demandé à la reine de Derby, eh ben en fait, c'était une quête de toucher des cibles avec le jouet de ballon de foot. Et en fait, il faut toucher 3 cibles pour valider la quête. Donc là, je n'avais pas terminé. Donc, je vais aller au terrain de foot qui se trouve à Dirty Docks et je vais aller terminer ma quête. Alors, très important, j'ai remarqué aussi que les duels ne comptent pas pour des quêtes. Donc, si vous enclenchez un duel contre un joueur de foot, ça ne vous comptabilisera pas pour une quête accomplie. Donc ça ne sert à rien de faire un duel contre le joueur de foot et ennuyer les autres joueurs qui essayent justement de faire leur quête. Donc voilà. Ok, donc là je vais terminer mon défi qui est de toucher la cible avec le ballon de foot. Alors pour ce faire, il faut que vous visez la cible avec, avec votre personnage comme ça. Et ensuite, vous tirez. Voilà. C'est comme ça que vous touchez les cibles. Donc vous visez, ensuite vous tirez. Boum. Peut-être un peu trop près. Voilà. Donc là, j'ai fini ma 3e quête. Donc là, logiquement, je vais débloquer un écran de chargement. Et il me manque encore 2 quêtes pour débloquer le joueur Neymar. Parce qu'il faut accomplir 5 quêtes pour débloquer le skin Neymar. Alors maintenant, je vais lui demander une nouvelle quête. Marquer un but. Ok. Hop, je prends le ballon. Je marque un goal. Ah, là, je ne peux plus. Ah si, c'est bon, là, je peux. Donc, parcourir de la distance à pied. Il faut que je parcours combien de mètres? Ah, il faut que je parcours 300 mètres à pied. En vrai, je sais pas combien de tours de terrain j'ai fait, mais... Voilà, c'est bon, c'est terminé. Ensuite, est-ce que je peux lui redemander un défi? Non, je ne peux plus lui redemander de quête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, je vais peut-être aller à Pleasant Park. Voilà, on va aller à Pleasant Park directement. Ok, donc, je suis à Pleasant Park. Maintenant, je vais aller parler à Neymar. Voilà. Wesh, wesh, wesh. Alors, toucher des cibles avec le jouet de ballon. Ok, let's go. On valide. On touche les cibles. Hop. Ah, je suis un peu trop bas.
un peu trop bas. Ah, ça devrait être bon là. Voilà, parfait. Toucher trois cibles. Là, ça devrait être bon aussi. Parfait. On va de droite à gauche. Et voilà. Normalement, c'est bon. C'est validé. Alors, plus qu'une quête normalement. Donc, marquer un but avec. Bah, voilà, parfait. Hein. C'est easy. Hop. J'ai marqué un goal. Donc, voilà, quand vous avez fait vos 5 quêtes, logiquement, il faut quitter la partie pour que ça se valide. Parce que sinon, ça ne valide pas. Donc, c'est ce que je vais essayer. Et si ça fonctionne, logiquement, là, je vais débloquer le joueur Neymar. Donc, le skin Neymar. Donc, effectivement, ça a bien fonctionné. Regardez. J'ai Neymar Junior. Plus l'écran de chargement que vous débloquez après 3 quêtes de joueurs de foot. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.